Bye.
Bonsoir à tous. Allez, on est parti pour cette deuxième map pour sur le Major B. La Devil Red qui va affronter la Websi. Et bien sûr, on va partir sur Oregon. Allez, on est parti, on y va, on est lancé. Ils sont tous prêts. Bonne chance à tous. Que le meilleur gagne. Ah, ça fait du bien, on voit un petit peu de son. Alors, le problème, c'est que sur cette map avant. J'avais pas de son du tout dans mon casque, hein, je tiens à le dire. Et au moment donné, quand j'ai démarré mon PC, j'ai eu une mise à jour. Truc de ouf. Allez, on va partir sur l'exclusion du côté de l'attaque de la Devil Red qui banne justement deux Kibis pour cette map Oregon. On va passer sur le deuxième agent qui va être ban de cette attaque du côté de la Websi. On est toujours là, hein, faut pas s'inquiéter, hein. Mais on est dans les temps, avec un petit peu de retard. Le temps de tout se lancer. Et les Mavericks qui étaient ban pour l'attaque du côté de la Websi. Bien sûr, on va attaquer sur cette défense. Quel agent qui va être ban du côté de la Websi pour donner des difficultés du côté de la Devil Red. Solis, quand on jouera pas sur cette map Oregon. Et bien sûr, le dernier agent qui va être ban pour sa défense du côté de la Devil Red. Ah, j'aime bien entendre du son comme ça dans mon casque là. Alors eux, ils avaient du son sur le LAF sur le jeu, mais pas moi. Allez, Fenris, Fenris qui était ban du côté de la Devil Red. Voilà, la phase d'exclusion est terminée. Maintenant, on va démarrer sur cette première manche. Et justement, on va partir sur un BP. Buanderie réserve du côté de la Devil Red avec cette composition de cette défense. Avec Lésion, Goyo, Mira, Storm et du côté de Sky. Quel agent qui va prendre pour cette défense? Smoke. Et bien sûr, du côté de l'attaque de Webzy. Thatcher, Fenka, Nomad, As. Et bien sûr, le dernier, Sledge. Et on est parti pour cette première manche. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Allez, on y va. Alors si ça bug, ça arrive. Il reste 10 secondes. 5 secondes. Bon bah, c'est dément. Ça veut pas. Allez, j'espère que ça va partir dans cet élan. Essayer justement de chercher sa formation. Enfin, attention, le petit de casser. Et on se sert, hein, sur cette première manche justement. Allez, ça donne sa drone, hein, pour essayer d'avoir les informations du côté de la Deville. Azami, justement, oui. Ne restez pas là. C'est pas Azami. Storm. Allez, on balance justement ce flash pour essayer d'inversion. Allez, on vient de détruire justement le contact qui a pété, passé lésion. 4v3, la petite double de K2. K2 qui a été chercher ses deux kills. Attention, on essaye justement de chercher. On se revoit de l'autre côté.
Bon, Fencock, il se met en position. Ouais, qui a été chercher ce magnifique kill. Allez, il reste une minute. Hein. On est toujours en 4v3. Toujours l'avantage du côté de la Devil Red. Peut-être chercher sa formation. Et non. De toute façon, pas chauffer les coucouignettes. J'ai rien à dire comme ça. Allez, on avance petit à petit du côté de la WMC. Essayer de chercher les kills côté de la Devil. Et on balance justement la petite parcue pour chercher ce magnifique kill. Justement, c'est ce qui va te faire tomber sur les balles. Attention, c'est payé très vite. De chaque côté, on est passé à 3v3. Attention, qu'on va y chercher. Il reste toujours 26 secondes. Allez, on vient de tomber justement sur les passants en 3v2. Allez, c'est parti. Qui va essayer de chercher ce magnifique. Il peut essayer de faire tomber directement. Très compliqué. Il reste toujours 15 secondes. Allez, 15 secondes, on n'a pas le choix. Allez, on est passé en 2v2, c'est équitable, équilibre de chaque côté. Attention, on va peut-être chercher ce magnifique kill. Attention, Naoshi qui sort tout ça, qui va chercher ce duel. On est passé à 1v2. 1-1, 1v1. Et voilà, la Devil Red qui gagne déjà cette première round. Je sais pas, mais je sais pas si vous avez vu comme moi. Ils étaient en duel. Réage, s'il vous plaît. Allez, une petite bulle, on a demandé un réhache. Allez.
Allez, c'est bon, désolé pour ce que contretemps. On a eu un petit ross. Allez, on peut jouer. Allez, on est parti. Allez, on est lancé. L'Areos vient être établi. Ça va, Toto? Comment tu vas? Désolé, hein, l'équipe de la Devil Red a demandé un Areos suite à un bug du son du drone. Et là, justement, on va partir sur cette deuxième manche. Merci pour votre follower, prenez place. Allez, on va partir sur ABP du côté de la Devil Red avec dortoir principal, dortoir des enfants, avec cette composition de cette défense, avec Storm, Lésion, Valkyrie, Warden, et du côté Spence qui prend Wenmei, et bien sûr du côté de l'attaque de Wellesley, avec As, Fenka, Greenlock, Thatcher. Et Thatcher. Voilà, on va démarrer sur cette manche 2. Comme vous pouvez voir, c'était très vite pour la Réos. On n'est pas là pour perdre son temps, hein. Après, comme on dit toujours, hein, ils ont demandé une Réos, ils ont le droit, hein, logique, hein, c'est un Réos par team. Il suffit qu'il y ait eu un petit bug du drone, un bug de son, ben on fait un Réos. Voilà, on n'est pas là pour chercher la petite bête ou quoi. Voilà, merci pour votre follower, prenez place. Oh, ça sonne dur ici, hein. Allez, on continue. On va lancer cette deuxième manche. Attention, on est toujours sur cette 5 map secondes avant Oregon, hein. l'insertion. Alpha fait mouvement pour Allez, on est localisation. parti du côté de ici qui va essayer de reprendre justement ce BP de la Devil Red. On ne sait pas exactement où qu'ils vont attaquer. Allez, on est passé en syndicat de Sky qui va justement faire tomber Fenka. Allez, on y va du côté de Smerty. On essaye de chercher cette information, essayer de faire tomber quelques kills de côté de la part de la Devil. Elle est Conan. Conan qui est toujours dehors. Hein. Moi j'aime bien cet agent là, c'est l'agent des abeilles. Hein. Allez, on va. Il reste toujours 2 minutes 14. Hein. La Devil hein, qui vient, Nauchi qui vient de prendre quelques balles. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son il est pas trop fort quand je parle et tout? Vous le dites, hein, faut pas avoir peur. Hein. Allez, on va aller voir justement. On commence à attaquer hein, du côté de Witty. On essaye essayer de chercher où se cache la Devil. Ils sont tous planqués. Allez, on essaye de chercher ce magnifique contact, on monte en haut. Allez. Je désactive l'électronique. Sky. Je sors les aiguilles. Et on cherche au moins juste en information. On s'y connaît la police. Qu'a-t-il cherché le kill Warden? Warden, qu'a-t-il cherché ce magnifique contact? K2. Qu'a-t-il cherché ce magnifique kill? On est passé en 5v3. Attention, ça peut aller très rapide sur cette manche. On voit du K2. K2 qui va essayer de chercher. C'est qui avec son agent spécial Warden? Allez, elle est la petite grenade de DS qui a été cherchée du côté Mercy. Là, on est passé en 5v2. Allez, on va peut-être chercher ce magnifique. Et allez, connard, on est passé en 3v2. Attention, Nauchi qui vient tomber sur les balles. Allez, Sky qui vient de retirer son petit lésion. Allez, on va essayer de prendre ce magnifique contact. On voit Sky qui se met en position avec Noël. On est passé à 3v1. Sky, il se retrouve tout seul. Ça va être compliqué pour lui. Peut-être il cherchait son premier kill. La petite doublette. Et non, Sky qui est arrivé par derrière. Qui a pris ce duel. Et qui remporte encore sur cette rune. Et là, on va partir sur un score de 2 à 0. Allez, on attaque cette troisième manche du côté de ce BP. Et là, on va partir sur un BP, salle de réunion, cuisine, du côté de la Devil Red avec Castle, Lésion, Azami, Wanmei. Et du côté de K2, Icethorn. Et du côté de la Webzy pour cette attaque avec Termite, Flores, Oza. Avec Nok, FNK. Et Yano. Et on va partir sur un BP, salle de réunion, cuisine,
2 à 0 sur le score, attention. C'est le moment de se réveiller. On n'a pas le choix. Voilà, c'est en train de se positionner. Ah bon, Baba, ils ont perdu? Ils ont perdu combien? Elle est encore quelques secondes avant de lancer cette troisième match. Il reste 5 secondes. Périmètre de défense activé. Changement de chargeur. Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. Parfait. Alors on est parti. Allez, on essaie de droner ici, d'avoir l'information nécessaire pour essayer d'aller chercher des petits kills du côté là des villes. Allez! Allez, faut pas lâcher prise hein, du côté de Welsy. Allez, on voit Yana. Sky qui fait du bruit pour essayer d'attirer du monde. Conan qui se met en position du côté chantier. On voit que DS qui a pris quelques balles, une bonne 3 quarts on va dire. Essaye de chercher sûrement ce qui est l'attention. Du côté Naushi qui se met en position directement, en BDS qui s'est mis au-dessus de la trappe. Et les Spence avec sa petite protection à Azam. Azam. Super. Allez, on va voir comment ça va attaquer. On ne sait pas exactement. Là, on a pris un petit lésion. Hein. Allez, peut-être retirer le petit punaise là, avant de faire mal, on est passé en syndicat, Sky qui va tomber sur les pas de Kona. Attention, le contact a peut-être passé, Naughty, que tu chasses une magnifique kill de Sky. Nous on est passé en 4v4, attention les deux équipes qui se lâchent pas sur cette troisième round. Allez, Nock, on voit qu'il met déjà en position. Attention, ça sent la pause. Du côté de Webzy qui est en train de poser. Attention, et non, la pause qui vient d'être retardée. Ah, c'était dommage, hein, la pause était bien lancée. Alors on part directement sur KD1. Attention, Nicky qui s'en retrouve tout seul, ça va être compliqué pour lui. 1v4, on voit que la Devil Red qui sont très chauds. Oh, la petite tête qui vient se prendre Spence. Oui, aïe, 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 ça fait mal. Oh, le deuxième, c'est parti. Nicky qui est très chaud, il va être parti sur son éléant. Ah, ils ont. Oh là, c'est Naochi, voilà, qui a fait ce duel, qui a été cherché. Allez, pusher ce dernier kill, Deki. Allez, on attaque sur cette quatrième round. On perd sur un score de 3 à 0. Allez, la web. La Wellsy, on se réveille. D'accord. Allez, on va partir sur un VP Buandry réserve avec cette composition de sa défense. Goyo, Lésion, Mira, Frost, Smoke. Et du côté de la Webzy avec Thatcher, Yana, Franco, Yana, Sledge de cette attaque. Elle est 3-0 sur le score. Allez, la Webzy, c'est le moment de se réveiller. On n'a pas le choix. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Désolé si je bague, je suis fatigué. Toxino
en place. Je pose les machines. Allez, on est reparti. Merci pour votre follower, prenez place. Oh là là, Naochi qui vient sortir Skal Yana. On est passé en 5v4. À peine la partie se lancer. Elle est Deki. Deki avec son Fancock, il va essayer d'avancer petit à petit. N'oublie pas que le BP il est en bord. Hein. Allez, on sait, on a cette information, on sait qu'il est là. On va peut-être aller essayer d'aller pêcher. Et essayer justement l'utilisation. Oh la petite tête qui s'est pris de la part de K2. K2 qui a été cherché ce magnifique. Attention, on est passé en 5v2. Attention, faut pas lâcher prise du côté de la WebC. Qui sont plus que deux. Il reste toujours 1 minute 50. Attention, il n'y a pas la formation. Il n'a pas la formation. Il n'a pas la formation. Ah si, il l'a quand même. Et voilà, ouais, il a été cherché directement. K2, on est passé en 4v2. Et le petit France qui vient se détruire. Allez, on balance du percute. Allez, pour essayer de faire diversion. Attention, le coupé prend très cher. Il prend très cher. Ça va être difficile pour passer. Attention, les petites flammes. Il va être cuit aux fesses, hein, les flammes. Allez, on va chercher directement. Allez, Conan. Il reste toujours 55 secondes. Le petit percu qui a su faire tomber Spence. Allez, on est parti, Conan, qui se retrouve tout seul, ça va être compliqué pour lui à V3. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, en plus il n'y a pas la bombe. Très difficile pour lui. Je recharge. Surtout, il sait pas qu'il est là. Oh là là, le coup de couteau qu'il a donné. Allez, on va peut-être chercher, essayer de faire tomber Naochi. Allez, on va peut-être essayer de faire tomber. Là, on voit qu'il est blessé. Il est peut-être au courant. Allez, DS qui s'en retrouve tout seul. Allez, attention. Qui des deux qui va tomber le premier? Mira? Encore 10 secondes. Ou Sledge? Allez, le DS qui a été plus rapide. Qui a su faire tomber Conan. Et on est parti sur cette rune. 4 à 0. Attention. Non, non. Allez, on est parti. 4-0 sur le score. Attention hein, pour ce BO1 du Major B. Et là, on va partir sur un VP d'Hortor principal, d'Hortor des enfants de cette composition. Des agents de cette défense avec du Warden, Valkyrie, Lésion et Storm. Et de côté de Spence qui est en train de choisir One May. Et bien sûr, de l'attaque du côté de la WebSea avec Grim, As, Fenkoi, Yana. Et Nomad, allez, on est parti sur un score de 4 à 0. Allez, faut qu'on se réveille du côté de la WebC. Il n'y a pas des supporters sur la chaîne pour les encourager, pour qu'ils remontent et d'essayer de revenir sur le score parce que la Devil, c'est en train de bien gérer sa défense. Ça va être compliqué. Allez, c'est le moment de réveiller. Allez. Oh, je suis au taquet là, ce soir là. Faut que j'arrête de boire du Red Bull là. Allez, on attend d'ici quelques secondes pour essayer de lancer cette game. Allez, on se révèle à l'OFC. 5 secondes avant insertion. Allez, au moins mettre ces deux derniers manches pour cette attaque avant de changer de rôle. Allez, il faut se réveiller. Allez, on y va, hein. On y croit tous. Hein. On se réveille. Conan, il bouge pas sur son drone, alors j'ai changé d'individu là. Prendre quelqu'un de sérieux. Allez, très silencieux. Les Smarty qui essaie d'avoir la formation. On drone, on drone.
Bah ouais, il a pas d'amis, c'est pour ça il dit ça va. Le pauvre Bobo qui a pas d'amis. Allez, on va commencer à attaquer. Elle est sa drone. Allez, il reste toujours 1 minute 54. Escale. Et ils vont peut-être commencer à se réveiller sur cette manche. Au moins essayer de mettre les deux points de cette rune pour essayer de revenir sur le score. Hein. Et dès qu'il... Allez, on va relancer une petite percue. Pas de version. Aïe aïe aïe, le petit C4 qui a fait très mal juste en dessous. Attention, on est passé en 4v3. Attention, Smurty qui vient de faire tomber DS, le Valkyrie. Il a bien joué hein, juste en dessous. Ça, ils ont pas eu cette information. Ça allait faire mal. Le dispositif est en place. Allez, on voit les abeilles, ils sont sortis. Attention, je peux faire un nid. Et Smarty qui se met juste en dessous de la lampe. Elle est connant. Allez, on faut qu'on essaye, hein. Justement, on regarde en dessous, on sait jamais. S'il y en a qui se balade avec le C4, on a vu c'est terminé. Putain, elle cherche ce kill, on est passé en 3v3, attention, Smurty qui a su faire tomber Sky. Oh là là, c'est dommage, c'était bien tenté, on est passé en 3v2, ça va, il sera vite. Attention, du côté de la Wizzy qui s'attrape tout seul, ça va être compliqué pour lui. On est passé en 1v2, attention, les duels. Allez, on continue, on lâche pas, allez, on essaie de remporter, il reste plus que 2 kills à faire de côté de la Devil Red. Et non, Naouchi qui était plus fort à ce duel, qui a été cherché directement. Et là, on va partir sur un score de 5 à 0. Attention, attention. Dernière round pour cette défense de côté de la Devil Red. Allez, faut qu'on se réveille hein, du côté de la OMC. On n'a pas le choix. Et on va partir sur MVP, salle de réunion, cuisine, de côté de la Devil Red avec One Maystorn, Azami, Lésion et Castle. Et bien sûr, de côté de la WebC avec Karmite, Lyon, Florex, Oza. Et Fanka. Voilà. Allez, 5-0, hein, toujours pour la Devil. Attention, dernière round avant le changement de rôle. Allez, c'est le moment de vous réveiller du côté de la WebC. Allez, faut pas lâcher. Hein. On va remporter cette rune de cette attaque avant de passer en défense. Allez, 5-0-1. Vous êtes tous endormis sur les laves ou pas? Vous êtes réveillés? Vous êtes en forme? N'oubliez pas que demain on est jeudi. Dans 2 jours, c'est le week-end. Je viens de le dire pour les gens qui savent pas. Un petit repos, ce sera pas mal. Ah bah d'accord. Ah bah pas, il a ce moment-ci, il cherche des amis. Le pauvre. Il m'en fait voir dans la nuit, je vous le dis. Hein. Et Toto, quand est-ce que tu reviens sur Discord? Déjà, il va dire que je raconte ma vie. Désolé, hein, c'est un petit épisode comme ça entre deux. Allez, on essaie justement de droner. Avec Flores de Sky. Scal justement a cherché sa promotion. MDR. Allez, on va chercher sur la petite tête qui va essayer de dépasser, attention. Oh la petite tête de Space qui vient de faire tomber. Oh là là, la petite tête, il y a vraiment pas de chance. Ah, ça fait mal la petite tête comme ça. Faut pas s'attendre. Allez, on va peut-être aller chercher une deuxième petite tête du côté de la Devil. À
Allez, on voit DS qui vient d'être tombé, blessé, on va dire. Attention, on balance. Allez, on est passé en 5v3. Ah, peut-être la WebSea qui commence à se réveiller, peut-être. Allez, faut qu'on se réveille là, on n'a pas le choix. Allez, Dicky justement qui cherche à avoir l'information nécessaire. Attention, Dicky qui a pris très cher. Attention, Sky. Sky qui vient de tomber sur les balles de Connor. On est passé en 5v2. Attention, Wizzy. K2 qui a pris très cher. Attention, ça peut faire très mal. Sperti qui essaie de prendre ce contact. Allez, Naushi qui se retrouve tout seul. Ce duel, 1v5, ça va être compliqué pour lui. Est-ce qu'il va le faire? Pensez-vous? Attention, en plus que ça sent la pause du côté de la WebSea. Les attaquants ont et la pause et qui vient de se poser. Allez, on va peut-être chercher ce premier kill. On est passé en 5v4. Et le Kessel qui vient de se péter, on sait que la formation qui est là, on va peut-être le chercher. Et là on va peut-être chercher, essayer de faire tomber directement, très dur. Ça va être compliqué du côté d'Aouchi. Et voilà, Aouchi qui a cherché encore un autre kill. Là on est passé en 1v3, est-ce qu'il va le faire directement? Ça va être compliqué. Allez, le temps il tourne, ça va être compliqué pour désamorcer cette bombe. Et voilà, Sky qui a été cherché. Ce magnifique drone explosion de Florex. Ah, ça fait mal. Allez, on change de round. Voilà le premier point qui a été gagné de cette dernière attaque de côté de la WebSea. Et là, justement, la Devil Rage va partir de sans attaque. Et là, on va partir sur du côté de la WebSea de sa défense. Dortoir principal, dortoir des enfants. Avec cette composition, avec Lésion, Valkyrie, Wanmei. Avec Azami et Jacker, et bien sûr du côté de la Devil Rage pour cette attaque. Asfenko, Yano, Amaru, Sledge. On attaque sur cette manche 7, attention score 5 à 1. Ouais, je sais, t'inquiète. Delta, empêchez Alpha de désarmer vos. Je te comprends. Parce que papa il s'ennuie, hein, je vais rien dire. Je te dis pas. Hein. Avec moi il est pas très cool hein. Il est pas gentil. Il m'empêche. Il m'empêche tous les jours. Après il est gentil hein, t'inquiète pas hein. Tous les jours, tous les jours il m'envoie des messages, un truc de ouf. Mais papa t'es méchant. Alpha fait mouvement pour localiser une bombe. Pas gentil, papa. Allez, on est parti hein, sur cette septième manche. Là, on va commencer cette première round. On voit la Devil Rage qui va commencer déjà cette première attaque. Et Wadi, la défense. On voit que Naouchi, il aime bien les trucs à trapèze, là, à la corde. Là. Directement, j'arrive à la fenêtre, allez hop, c'est rapide. Elle est K2. On ne sait pas exactement du côté de la Devil où qu'ils vont attaquer, surtout que le BP il est en haut. Alors on ne sait pas comment ils vont attaquer, ils vont peut-être trouver une position. Là on voit directement Naouchi, non Sky qui a su faire tomber... Iven, Iven, 5 Iven. On dirait tout le monde. Allez, DS qui se met en contact directement. Peut-être ici, chercher ce qui est, s'il est pas tombé. On est pas sans sa vie, 3 Sky a été cherché. Encore 5v2, attention, toujours avantage du côté de la Devil. Et la Devil ce soir, ils sont très chauds sur cette map Oregon. Attention, Sperti qui se retrouve tout seul. Pour cette défense, ça va être compliqué pour lui. 1v4. En plus, il y a. Oh là là, Sperti qui a su faire tomber Naouchi. Attention, Spence qui pose cette bombe. Attention, on va essayer d'aller choper quelques kills. Attention, le contact a été cherché directement. Attention, on va prendre... éviter de prendre ses arrières. Ça va être copié, Spence qui a été cherché ce kill et ce duel en termes de Sperti. Attention, on passe
sur manche décisif de côté de la Devil Red. On voit qu'ils ont du mal du côté de la WLC. Allez, il faut qu'on se réveille, il faut qu'ici, de toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent faire un remontada, ils sont obligés de marquer les 5 manches pour venir faire une prolongation. Allez, on part sur un BP, dortoir principal, dortoir des enfants. Et on est parti pour cette défense avec Lésion, Valkyrie, Mute. T'es méchant, Baba, en disant ça. Et Jacker, et Storm, et bien sûr, du côté de l'attaque, du côté de la Devil Red, avec Montan, Ran, Yana, Fenka et Sledge. Allez, oh, faut qu'on se réveille. Allez, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se réveille. On va aller voir les rapports d'équipe de chaque côté. Nauchi qui fait du 9-3-2. Et de l'autre côté, Deki qui fait du 5-6-1. Allez, faut qu'on se réveille. On n'a pas le choix. Il faut qu'on continue. Allez, de toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent faire remontada, il faut qu'ils remportent au moins 5 rounds pour venir égaliser. En 6-6 avec la Devil Red. Y'a plus à s'inquiéter pour les grenades. Caméra en place. 10 secondes avant insertion. Yo Baba, il est pas très gentil, hein. Il reste 5 secondes. Alpha avance. Allez, on est parti pour lancer du côté de la Devil Red. On va voir comment ça va se mettre en position directement, hein. Là justement avec Storm on essaye de se mettre en place, on fait des petits coups, des accessoires, des qui remontent sur BP. Smarty qui les rend descendu en bas. Attention, bien droné du côté de la Devil Red. Il y a un de cette défense du côté de la WC qui est en train de se mettre en position. Ouais c'est vrai je... Ah là 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 là, le C4 qui a fait très mal du côté Sky, il a vraiment pas de chance et en plus qu'il se met derrière Montane. Allez, on est passé en 5v4. Et en plus Pez avec Montane qui l'a pris très cher, attention. On va peut-être essayer de chercher Montane qui bloque justement cet accès de cette porte. Allez, on cherche Montane. Qu'il est là. Allez, on relance un petit peu un parcours de lésion. Oh, c'est... Ah et voilà, c'était bien joué de la part de Deki. C'était bien posé les lésions. Montane qui a pas fait long feu. Il y a Naouchi qui se met en position directement. On est toujours en 3v4. DS qui a su faire tomber Valkyrie. Allez, on va essayer. Attention de la DS qui a pris très cher. On ne sait pas exactement du coup ils vont attaquer. On voit quelqu'un de qui est en position directement. Chercher, essayer de faire tomber, on voit la formation directement, peut-être le viseur qui se met justement à cette entrée de la porte. Allez, Nauchi qui est là, on avance petit à petit, peut-être essayer, là où ils viennent se faire ping, on sait qu'il est là, on sait que la Devil Red sait qu'il y a cette information qui vient de tomber. Allez, on voit. Du côté de Sky, peut-être chercher celui qui l'attention, on est passé à 3v2, Nauchi qui a su faire tomber connard. Attention, on est toujours à 3v3, attention les deux équipes qui se lâchent pas. Allez, c'est l'occasion de Wazzy de remonter. Allez, il faut gagner ce round pour venir petit à petit. Désolé, moi je suis neutre, hein, je tiens à le dire au cas où. Les gens ils vont dire, ah, casseur qui tient avec l'équipe. Ah ben, je suis neutre. Au moins comme ça, il n'y a pas de souci. Et Nauchi qui essaie de prendre ce magnifique contact. Allez, reste une... à peine 30 secondes et allez, faut bouger, on n'a pas le choix et on attend, hein. On voit hein, de côté même qui prend cette position, on voit Nauchi qui a pris très cher, ça va être compliqué en plus qu'ils prennent un lésion de passage. Allez, 15 secondes, on n'a pas le choix, on est passé en 2v3, attention, on essaie de prendre ce magnifique contact. Nauchi qui se retrouve et qui se retrouve tout seul et qui vient se faire descendre Persmati. Et bien sûr, on va partir sur un score de 2 à 6. Attention, hein. Et je vous l'ai dit, hein, tant qu'on n'est pas à 7, tout peut se jouer. Allez, on va partir sur un BP Buanderie Réserve du côté de la Wepsi. Wepsi avec du Kaïd, Valkyrie, Mira, Azami. One minute.
Et bien sûr, du côté de cette attaque, du côté de la Devil Red, avec Montan, Yana, Yebana, Fenka, Ingrinlock. Je sens la petite Montan là, on va dire, la ponce rapide. Je sais pas ce que vous voyez. La ponce rapide est justement sur le BP en bas. Grand point Montan. Difficile. Allez, on continue. Attention à la pause rapide qui ça sent. En plus qu'ils ont pris le BP en bas. Ça peut jouer un rôle hein. Attention hein. À part si Montan il se fait tuer avant. Mais faites attention à la pause rapide hein. Là où il dit, hein. Pour prendre une sécurité hein. Allez, on est reparti hein. C'est cette manche d'ici. Toujours du côté de la Devil. Allez, on y va. Et K2, justement, on ne sait pas s'il va passer chantier. On voit que Montan qui va peut-être repartir côté. Il va passer sûrement derrière. Peut-être passer par la tour. C'est lui justement avoir cette information directement. On voit qu'Onan qui est descendu. Sky qui se met en position. Diki qui sont BP. En fait, ils sont à peu près tous les 5 sont BP. Un extrême, à part Azami qui est sur la cam, qui regarde les informations, puis essaye de donner. Grinulok qui balance ses petites gadgets là. Et là, on va essayer de droner. Au moins avoir cette information. Ça va être compliqué. Oh là là là, Deki qui a essayé de faire tomber Naochi. 5v4. Nouveau chargeur. Drone activé. Compliqué hein. Allez, Montan, on sait pas exactement. Ah, ils vont attaquer Montan qui va attaquer sur le chantier. Attention, ils attendent à point mort. Voilà, Montan qui se met en position directement. On le sait qu'elle est là. On est passé en 5v3. Toujours Deki qui va te faire tomber. K2. 5v3. Ça va être compliqué. Attention pour se prendre par derrière. Sinon, ça risque de faire mal. Là, DS qui vient justement faire tomber Jagger. Non, on est passé en 3v4. Attention, les C4 qui peuvent être pris en contact. Et non, ça n'a pas passé directement. Allez, on essaie justement. Ah là là, la trip du côté de Deki. Montan qui vient tomber sur les balles. Allez, on est passé en 2v4. Justement qui est sur la montagne qui va relancer le petit flash pour te faire diversion. Et on va essayer de chercher le contact. On sait qu'on est là, on le sait qu'on a Zami qui est là. T'as son Sky qui peut prendre très cher sur ce coup là. Très difficile hein. On n'a pas la formation directement, peut-être chercher la cité. Et non voilà, c'était efficace, bien joué de la part de Wapsi. Et voilà, Wapsi qui gagne ce round. Attention, comme on dit toujours, on perd sur un score de 3 à 6. Mais je vous l'ai dit, tant qu'on n'est pas à 7, tout peut se changer. La victoire n'est toujours pas là du côté de la Devil Red. Attention, on est toujours sur cette manche décisive du côté de la Devil Red. Et il y a un temps mort qui va être demandé à Devil Red. Voilà. Ah non, du côté de Wheezy. Non, de Devil Red. Voilà, tant m'ont demandé pour l'équipe de la Devil Red. Pour faire résonner justement l'équipe. Et on n'a pas le choix. Il reste encore 12 secondes. Prenez patient. Allez, pour finir cette soirée. Allez, ça se lance, manche décisif du côté de la Devil Red. Et justement, on va partir sur un BP, salle de réunion, cuisine, du côté de la Wolfsy, avec Azami, Valkyrie, Castle, Mute.
et Maestro. Et bien sûr, du côté de la Devil Red, Aiko qui vient de remplacer avec As, Greenlock, Ozaf, Enka et Sledge. Manche décisif, attention, 6-3 sur le score. Attention, la Romatada. Fais attention. Ça peut jouer des rôles. S'ils veulent gagner, c'est le moment. Allez, on va aller voir justement les rapports des kills. On voit Naochi qui fait du 10-5-2. Et Deki qui fait du 6-7-1. Ils sont en train de faire un concours de kills entre ces deux personnes-là. De la Devil Red et puis de la WLC. Deki Chaka. Il reste 10 secondes. Plus que 5 secondes. C'est bon. L'objectif d'Alpha est de localiser. Allez, c'est parti, on y va. On va se lancer directement. On va voir justement quel côté qui vont attaquer déjà. On voit qu'ils sont tous à peu près dans la petite camionnette là. Pas loin du garage. Hein, on voit qu'ils sont tous là à peu près. Hein. Là, on voit qu'ils ont pas pris Montane. On va voir comment qu'ils vont gérer. Allez, on. Là, on voit justement, il y a un petit mute pour brouiller. Pour éviter d'avoir les informations nécessaires. Allez, on voit Sky qui vient se faire descendre par des. Allez, on y va. Il y a les 4-2 qui avancent. On sait sa formation qu'on est là. Allez, DS. On essaie d'avancer. Allez, on est passé en 4v4. Naoshi qui a su faire tomber Deki dans cette action. Attention, 4v3. Attention, ça sent la bosse. La pause. Attention, Echo qui vient en action. Allez. On est passé en 3v3. La petite double de côté Space. Attention, la pause n'y a pas eu lieu. Allez, ouais, tu cherchais la petite triple. Space qui a été cherché son troisième kill. Attention, là on va essayer pour le tout de poser cette bombe, ça va être compliqué. Du côté de la Wapsi. Allez, on va peut-être essayer le kill. Et non, Naochi qui a pris ce duel. Et la Devil Red gagne le score de 7-3. Et voilà, c'est là que ça se termine. 7-3 sur le score. Peut-être 3 sur le score. C'était dommage, c'était bien joué de côté. Hein. On va demander s'ils veulent l'interview. Ça va? Ça va et toi? Ouais, attends, bien. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette map Oregon? En soi, c'est une map qu'on a joué deux fois du coup en ELC. On met deux gros scores dessus, mais après, c'est pas une map où on est super fort dessus, mais on est quand même bon.
Mais c'est pour ça qu'à chaque fois on se fait surprendre 1, 2, 3 rounds. Parce que bah on n'est pas super au point sur cette map, mais ça va, on va dire qu'on bah on a été meilleur, GG à eux, mais on a été meilleur qu'eux, quoi. D'accord. Et votre prochain match, il est prévu pour quand, pour la suite de votre pool Normalement division dimanche. major? Normalement dimanche. Dimanche? Ouais, normalement, après ça peut changer. D'accord. Bah en tout cas, bah merci d'avoir venu. Bah en tout cas, je dis GG aux deux équipes. Et puis bien sûr, bah, merci à tous d'avoir passé sur la chaîne. Et on se retrouvera prochainement. Ben Allez, merci à merci les toi, bonnes. Coco. Merci. Merci de rien, avec plaisir.